Corinne Cherrier. Je suis la réalisatrice d'Horatio qui est dans le programme 4 des courts-métrages en compétition internationale au Festival d'animation d'Annecy. Hi, this is the making of me doing my short film Horatio, which is in competition for in Annecy Short Film International Festival. J'ai un petit chapeau de fête parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est le 3 juin. Alors le film Horatio, c'est majoritairement l'histoire d'un personnage qui a un rapport au monde un peu différent de nous, assez décalé, pour qui certains tout petits détails vont être très importants et des choses qui nous semblent très importantes, à savoir le drame ou la violence, vont avoir moins d'importance. L'histoire m'est venue parce qu'il y avait mon oncle qui était intervenant dans un centre de détention qui avait rapporté les propos d'un détenu, qui avait résumé son acte qui était hyper grave par il gueulait, et puis après il gueulait plus. Et cette toute petite phrase et l'espèce de brutalité, d'absurdité qu'il y a dans le fait de résumer quelque chose qui a l'air d'être très grave et d'avoir plein d'applications morales et dramatiques en quelque chose d'aussi brut, ça paraît absurde. Et le film, c'est pas un comment on peut en arriver là, c'est plutôt quand on a passé ce point d'absurde, qu'est-ce qui se passe après ? Quand je dis que le personnage est concentré sur des petits détails, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs films que je fais parce que l'animation, ça permet peut-être un peu plus que la prise de vue réelle de se mettre dans les sensations des gens, puisqu'on peut interpréter toutes les formes et toutes les images. Et du coup, c'est un sujet un peu récurrent que j'aime bien. Je crois que c'est l'angle de réalisation du film, c'est ça. C'est d'imaginer un personnage qui perçoit le réel de manière un peu forte. C'est un film en 2D avec des décors mis en traditionnel gouache, mis à l'ordinateur. C'est un film qui est produit par Ricky Film, par Edwin Aliard et Nidia Santiago. Et j'ai jamais vu mon film sur grand écran, du coup je vais le découvrir en même temps que vous si vous êtes sur site. Et je suis absolument ravie d'aller à Annecy pour voir ce film sur grand écran. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis hyper heureuse d'être là, puisque voilà. Super cool.